Salut à tous les amis, alors c'est YouTube ici hein, pour le 7ème épisode de Minecraft à l'extrême. Alors désolé pour vous avoir fait attendre un peu, hein. Bon, il y a des petits soucis qui arrivent comme ça, des imprévus et on n'y peut rien. Hein. Alors je vais d'abord vous faire visiter un peu, donc j'ai agrandi un petit peu la pièce, là j'ai mis un ou deux fours, deux établis un peu plus, la poubelle, un petit fauteuil hein, qui était dans nos défis. Hein. Donc les défis qui étaient lesquels qui étaient de posséder 5 conforts minimum, hein, lit, bibliothèque, divan, le divan c'est fait. Alors j'étais ici en bas. Bah oui, t'inquiète pas, je vais m'occuper de ton cas. Coucou. Alors, on reprend. Je reprends les défis ici qui étaient. Et j'ai vidé mon coffre hein, pour que vous ne perdiez pas du temps hein, à me regarder miner, hein, parce que j'ai miné un peu hein, en bas, donc j'étais récupéré un peu de fossiles, pas tous, parce que j'ai envie de faire ça avec vous aussi, hein. J'ai tué un loup-garou avec une épée en fer, hein. Non, en pierre d'ailleurs, j'ai repris un peu de bois, j'ai fait quelques escaliers, vous verrez pourquoi, j'ai récupéré des os, du fil, c'est parfait, bon, il m'en faudra encore 6, et on sera 3 cubes de laine pour avoir un lit, hein. À part ça, j'ai récupéré aussi des pumpkins, du cuir, un cuir seulement, quelques fleurs, mais ça le compte y est, des champignons, quoi d'autre, bah c'est tout, hein, c'est tout, hein. Et un peu de fer, hein. Je crois que c'était 5 cubes de fer. Alors aussi ici, non, de la bouffe, j'ai récupéré du bouffe aussi, de l'or, j'ai récupéré de l'or, qu'on va prendre ici ensemble tout de suite et on va se crafter tout de suite une épée en or hein. Parce que les loups-garous vous savez bien ça rigole pas hein. Voilà, la hache on en aura besoin, on va laisser là une pioche, c'est bon, la pelle, hop, une pioche en fer. Mon armure, on va voir ça tout de suite. Elle a un peu souffert. Hein. Il y a eu de la baston quand même, assez bien. Mais bon, je vous dis, j'ai pas filmé parce que comme c'était beaucoup de minage, on va dire comme ça, j'ai pas voulu vous faire subir ça autant de minage. Hein. Donc j'ai dû aller dehors, forcément pour récupérer de la bouffe. Et c'est pour ça que mon armure a souffert. Bah, j'ai tué quoi, 6 ou 7 monstres, hein, mais pas plus. Hein. Alors je devais faire comme défi, pardon. Je devais faire comme défi une cave. Hein. Bon, je l'ai fait au-dessus, on va appeler ça un grenier, mais je ferai quand même peut-être une petite cave. Hein. J'avais décidé de monter, puis je me suis dit, bah pourquoi pas faire une petite pièce tranquille. Cette pièce-là sera notre pièce au trésor, hein, sera la pièce où on mettra les trophées. Hein. Je vais peut-être mettre ici les plantes, les fleurs, hein, quoi. On verra ensemble, quoi. Mettez les commentaires, n'hésitez pas, aidez-moi dans ma saison, quoi. Vous êtes là avec moi, hein. Y a pas de souci, on fait ça ensemble, j'ai toujours dit, hein. C'est comme les ellipses, c'est comme quand je joue hors connexion. Ici, j'ai joué hors connexion pour la première fois depuis 6 épisodes. Ici, c'est le 7ème. Et je vous dis exactement ce qui se passe, voilà. Alors, on est parti. On va voir. C'est la nuit, c'est parfait. Il y a du mob. On va pas aller dehors. Hein. Là, j'ai créé une petite poubelle. On va pas aller dehors. Car j'ai une petite surprise. Oh, il y a du charbon, vous inquiétez pas. Hein. On va pas laisser là. Là j'ai remis un peu. Ici pourquoi? Parce qu'il y avait de la terre. Hein, et la terre c'est pas d'une très haute protection. Alors on va descendre. On va d'abord regarder ici. Oui. Biofossile, tout ça, ce que j'avais trouvé. On va laisser ça là d'ailleurs. Des reliques. Ça on se fera un truc ensemble. Hein. Analyseur. Un analyseur, oui, ensemble hein, pour faire tout ça. Ça. Alors ça. C'est à faire tout de suite. Hop. Hop. Alors. Un de nos défis qui était de faire un crâne éclairé. Voilà, magnifique. Hop. Et voilà. Et un de fait. Et on va le mettre ici. Pourquoi pas. Pour notre mine. Voilà. Alors, parce qu'on a bien tout vidé, ça on va prendre. Des flèches, pourquoi pas. Du bois. Ça, on va laisser.
pour l'instant. Bah, c'est parfait, hein. C'est parfait. Bon, on va pouvoir y aller. Alors voilà, je disais, j'ai eu une petite surprise. Hop, on y va. Donc ici, on va descendre tranquillement, hein, à son aise. Hein. Et c'est parti, on y va. Alors j'ai creusé, hein. J'ai descendu là où on était arrivé. Donc là j'avais clôturé, souvenez-vous-en. Hein. On va d'ailleurs faire ça ensemble. On va commencer un petit peu. Et là il me fallait une pioche. Je vous rappelle, une pioche en fer, hein, sinon c'est pas la peine. Pour récupérer un os. Waouh, parfait. Parfait, une relique. Parfait, oui bien sûr. Désolé. Et voilà, magnifique. Défi accompli, hein, puisqu'il nous fallait, on devait trouver exactement, c'était encore un crâne en lanterne, hein. C'est parfait, le biomarécage on l'a trouvé, et alors un autre défi que je vous montrerai plus bas, que j'ai vu, on va laisser ça comme ça, on va juste retirer ça, voilà. Donc là, on devrait aller par là aussi pour le reste. Hein, le biofossile, c'est bon comme ça. Voilà. Une épée en or. Alors, j'ai continué. Donc tout ça, bon. Voilà. Là, j'ai trouvé du charbon. Et plus bas, je suis tombé sur un stack. Là, j'ai voulu un peu creuser. J'ai trouvé rien de spécial. Il y avait de la terre, donc j'ai rebouché. Ici, voilà. Ici, j'ai eu l'agréable surprise de trouver quoi. Il y avait ici du fer, hein. Non, là, du charbon, il y avait du fer et de l'or. Le fer était ici, hein. Donc, c'était une agréable surprise. Et je me suis dit, je vais pas continuer à filmer et leur imposer encore un minage pour trouver du fer parce qu'il va nous m'en falloir assez bien. Hein. J'en ai 9. Bon. Le double serait pas mal, hein. Au moins on est sûr de se faire une armure au complète. En fait, le but, hein, vous savez bien, en hard, on peut pas se permettre de jouer sans armure. Ça, c'est impossible. Sans armure clean, quoi, une bonne armure. Donc le but est de me faire à chaque fois d'avoir un stack, enfin un stack, une vingtaine, quoi, de lingots pour toujours avoir une armure d'avance. Hein. Donc je suis descendu et j'ai trouvé la bonne surprise. À votre avis, c'est quoi? Quand j'ai vu ceci, je vais vous montrer d'ailleurs. À votre avis, c'est une mine perdue. Un de nos autres défis. J'ai vraiment eu de la chance. J'aurais pu continuer, hein, et aller chercher une crevasse, hein, et non, j'ai voulu continuer ici et voilà, je suis tombé là-dessus. C'est magnifique. Hein. Maintenant, j'espère que c'est pas une petite mine de rien du tout, mais je pense pas. Hein. Donc. J'ai décidé, je me suis dit ça, c'est impossible, je peux pas faire ça sans mes amis. Hein. Alors on y va. Je vais mettre une petite lumière. On va d'abord avancer, on va mettre une ici déjà. Hop, voilà. Vous voyez bien, c'est bien une mine. On va récupérer ça ici, c'est un fil. Hein. Ah, la source, que m'emmerde cette source. Ah, faut pas que cette texture là, j'ai difficile à poser des torches, c'est un peu bizarre d'ailleurs. Je pense qu'on va la couper, hein, cette source. Hein. Voilà, on s'en va plus. Voilà, on sera plus tranquille. On va revenir en arrière et on va éclairer tranquillement pour bien voir au-dessus s'il n'y a rien. Hein. Non, c'est parfait. Ici non plus. Et ça s'arrête là? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, je pense pas. On va continuer au-dessus. Je suis certain qu'il y a un débouché ici quelque part. Ben, c'est parfait, hein, regardez là. C'est pas beau ça? De l'or magnifique. Voilà, regardez-moi ça, comme ça vient
Comme ça brille bien. Hein, les gars? En plus, vous m'avez vraiment manqué, hein. Allez, on y va. On va voir ce qui se cache là derrière. Espérons qu'il y a autre chose que ça. La preuve que je vous ai vraiment attendu parce que je savais pas que j'allais tomber sur un cul-de-sac comme ça. Ah ben voilà. Voilà, ça continue par là. C'est parfait ça. C'est parfait. Magnifique. Avec un peu de chance, on va trouver des coffres, on va trouver beaucoup de choses. Bon, vous me connaissez la Terre. Pour moi, ça cache toujours quelque chose. Alors, on va vérifier ça quand même. C'est très rare qu'il y ait rien sous la terre, hein. C'est vraiment très rare. Donc, attendez, je vais faire une toute petite ellipse, le temps de dégager cette terre. Hein. Alors, re-salut à tous les amis, et voilà. Hein. Comme promis, voilà, j'ai fait une petite ellipse, et je vous reprends tout de suite ici. Hein. Et j'ai eu la bonne surprise. Hein. Quand je disais que c'était important de retirer la terre et de toujours regarder, généralement, il y a toujours quelque chose. Hein. Franchement, prenez-en bonne note. Hein. Ici, on voit de l'or. Voilà, ça, c'est parfait. Et là, dites-moi s'il vous plaît que c'est du diamant. Monsieur, un ami libre chute, mon ami libre chute me dira certainement vite que ça tombe, c'est du lapis, parce qu'il connaît très bien les packs de textures. Hein. D'ailleurs, en petit aparté, il en a fait un génial, franchement, je vais le tester. Il faudra que je le passe en 32, parce qu'il l'a fait en 64, mais il a l'air vraiment terrible, quoi. Hein. Il a fait un mix avec ce pack de texture ici avec un et trois autres dont je ne sais plus les noms. Enfin, on va miner ça. J'espère que c'est du diamant. Je pense pas que c'est du lapis. Ça me paraît plus du diamant. Regardez les éclats, c'est magnifique. Donc on va remonter. Hop, et on va tout de suite commencer à miner ici normalement. Voilà. Alors désolé sur le première. Non, laquelle? Désolé. À l'instant, je me remets les esprits en place sur le sixième épisode. Je me suis rendu compte que, en fait, les objets n'étaient pas là. Hein. Aussi, puis cet aparté aussi, ce que je devais vous dire, les cinq premiers épisodes. Pour vous, ça a peut-être été assez long. Comment dire ça? J'étais enfermé, quoi, calfeutré pendant 3, 4, voire 5 épisodes. En fait, non. Mes épisodes faisaient 15 minutes seulement. Donc, si je fais des épisodes de... Si j'aurais fait des épisodes de... Si j'avais fait, pardon, des épisodes de 20, 30 minutes, bah forcément, en deux épisodes, bah, je serais sorti de ma grotte avec un équipement en fer et hop, c'était parti, quoi. Bah, comme il ne faisait que 15 minutes, voilà, quoi, le souci étant que ça a fait 4 épisodes, mais bon, maintenant c'est parti, hein. On y va, hein. Vous avez vu dans l'épisode 6, il y a eu de la baston. Allez, c'est parti, on va miner ça. Oui, bien sûr, avec une pioche en pierre, ça va pas le faire. Pardon, voilà, un peu d'or, c'est magnifique, ça fait plaisir. Il n'y en a qu'un. Oh, que des radins. Oula! Mais c'est plein de surprises ici. Mais c'est plein de surprises. Hop. Ça, apparemment, c'est de la redstone. Hein. On va vérifier. Redstone, parfait. Je vais pas en prendre énormément parce que, franchement, moi et la redstone. Je l'utilise mais pas vraiment on va dire pas vraiment énormément quoi. On a plus de charbon, vite fait, hop. Je mets pas de lampe. Je mets pas une puce de loupiote, ça sert à rien parce que je fais ça vraiment vite. Hein.
Et je le fais pourquoi? Pourtant j'en ai assez, mais je le fais quand même parce qu'il se cache quelque fois toujours quelque chose derrière charbon, derrière des trucs comme ça. Voilà, on y va redescendre. Bon, on va ouvrir ici. De toute façon, on fera un peu de lumière. Et on va casser là. On va récupérer ça en bas, hein. C'est pas grave. Hein. Voilà, alors ici on a trouvé aussi du fer, ça je vais économiser ma pioche en l'argent. Ouais, c'est magnifique, ça c'est le filon les amis, ça c'est parfait franchement, le très bon filon de fer. Hein. Vous avez vu ça, le petit saut hein? Pas la peine d'applaudir. Je sais, je suis le meilleur. Je déconne, oh, sûrement. Je déconne, les amis. J'essaie de détendre un petit peu l'ambiance. Hein. Car qu'est-ce que vous en... Qu'est-ce que vous voulez? Il y a des jours ça va, il y a des jours un peu moins. Pour tout vous dire, j'ai eu. On peut même pas appeler ça un imprévu dans ma vie, quoi. J'ai eu plus qu'un souci, quoi. Mais bon, je vais pas étaler ma vie privée ici avec vous. Hein. On est là pour s'amuser. Donc j'essaie de reprendre de bonne humeur, j'essaie de reprendre ça tranquillement quoi. Parce que on va vous dire, je vais vous dire carrément, un décès c'est pas toujours facile. Mais bon voilà. Alors voilà, là on est parti, on va descendre. On descend avec précaution, toujours, toujours, hop. On va récupérer tout ça. Alors, ouais, bien sûr, c'est que de la merde, hein. On ira voir là-bas aussi, hein, pour la source. Je sais, vous avez une folle envie que je le mine, mais non. Je suis un fin stratège. Tellement fin stratège que je suis capable. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la bedrock. Donc on est vraiment loin. Que je suis capable de flinguer ma pioche. De flinguer ma pioche. Et que j'en ai plus assez pour notre beau diamant. J'espère que c'est ça en tout cas. Bon là il n'y en a pas déjà. Ça c'est réglé. Voilà. On se fait un peu de lumière. Est-ce qu'il y en aurait ici? Allez, donnons un peu plus quand même. Parce que je pense vraiment que c'est diamant. Mais c'est radin. Oh, comme c'est radin cette histoire. Un seul diamant. On va vérifier tout de suite. Je suis plein, et bien sûr, qu'est-ce qu'on peut bazarder? Bon, de la cobble, déjà le gravier, au revoir. Et oui, diamant obtenu, Archiveman, c'est parfait, je suis vraiment content. Bon, on va balancer ça. Bon, j'en ai largement assez, hein. De la terre aussi, largement assez. Hop. Et on va se remettre un stack ici de terre. Voilà. Un diamant. Plus, n'oubliez pas que quand je tue les mages noirs, ils me donnent des boules magiques. Hein. Et ça, on peut en avoir un peu. Si on a 8, je pense, et une barre de fer. Si je dis pas de conneries. En vrai, je pense que c'est 8, c'est une barre de fer ou 9. On peut fabriquer un diamant. Donc là, on n'avait plus rien, les gars. Regardez avec moi. Si j'oublie quelque chose, dites-le. Bon. Je peux toujours revenir vu que je fais ça en... que j'ai repris les 4-5 premiers épisodes. Je les faisais parfois entre 2 jours de décalage, mais ici j'ai repris carrément en live, quoi, je veux dire, hein, avec vous, donc jour après jour. Hein. Voilà, on y va, c'est parti, on continue. Je vais aller boucher cette source
qui va m'agacer, hein, comme toujours, bien sûr. Voilà, une chose de faite. Hop. On va se blinder de bois. Tant qu'on est là, hein. Malgré que j'en ai. Voilà, on a assez, c'est bon. Montrer. 62, c'est parfait. Et pourquoi pas 64. Voilà, ça c'est bon. Alors. Mais c'est pas vrai. C'est magnifique ça, regardez-moi là. Ah, les mines perdues, y'a que ça de vrai. Hein. Y'a que ça de vrai. Hein. Les mines perdues, y'a que ça de vrai. Hein. Ah, mais je suis vraiment, vraiment content comme un gamin de 2 ans quand même. Hein. Ce qui va m'en donner un peu plus ici. Oh. Magnifique. Ça tombe, il y a une autre galerie juste au-dessus. Hein. Apparemment pas. J'irai quand même faire un tour. Un peu tantôt. Où est-ce qu'on a trouvé un? Et bien creuser aux alentours au cas où il en resterait un. Je pense pas, mais on sait jamais. En tout cas, ici, je vais défourailler le mur, c'est sûr. Et on mettra un petit coffre ici à cet emplacement. Pour se faire fondre tout ça. Hein. Voilà, alors c'est parti, on va faire partir ça. Désolé. Petite torche. Comment tu vas te poser? J'ai des problèmes avec ce pack de texture, j'ai l'impression que les torches ne se posent pas où ce que je voudrais qu'elles soient. Oh, magnifique, un derrière. C'est pas beau? Et voilà un triple en diamant. 4. Ce qui nous fait une épée en diamant. C'est parti, c'est parfait ça. Voilà. Allez, par sûreté. Bon, je pense pas qu'il y ait autre chose. Hein. Mais au moins, on se fera un petit coin. Pour se déposer les petites affaires, ça, hop, je récupère au cas où. Voilà. On va se mettre une petite torche ici. Une là. Voilà. Et on va se déposer notre petit four hein, pour commencer à cuire tout ça. Quoique. Moi aussi, on va commencer à cuire tout ça tranquillement à notre aise. Hein. Le four, on peut l'encastrer tranquille. Hein. Voilà. On va commencer par le minerai d'or. Hop. Il y en a tout seul là, pourquoi faire ça? Hop, et voilà. On va attendre quelques secondes hein, et on va continuer notre exploration. Hein. Car on s'en fout des 15 minutes. Hein. J'ai agrandi ma limitation. Hein. Voilà. Donc ça devrait aller. On va pas attendre que le fer se fait. Alors, mon armure, ce que l'on est. Pas terrible. Bon, on va continuer quand même avec celle-là. Alors, ma faim. Elle diminue. On va faire gaffe. On va faire. C'est se poser un petit coffre en vitesse ici. Ouais. On va se mettre un petit coffre là. Hein. Je sais pas pourquoi je sens très longue. Alors on va déposer
La raille, pas besoin. Ça. Les quatre là. Ça, on va pouvoir se faire un craft que je vous montre tout de suite, hein, d'ailleurs. Donc, je vais faire ça. Hop. Pavé 64. Pas besoin. Le fil. Pas besoin. Les os. Non. Les diamants. On regarde quand même sur nous. Redstone. Pas besoin. Les barrières. Pas besoin. L'établi. Et le reste, on va le garder, hein. Voilà. C'est bon. Alors, le craft que je voulais vous montrer, c'était celui-ci. Voilà, un skill stick pour quand on fera un tambour. On va le mettre là, c'est précieux. Hop, ça va avec ça. Ça aussi d'ailleurs. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en est? Voilà, c'est parfait. Il n'y a plus rien à fondre, hein. Non, pas de bouffe, rien. Allez. Allez. On y retourne. De plus belle. On va aller voir en bas ce qui se passe, hein. Bon. Je vais mettre une petite lumière, hein. Voilà, ça ira déjà mieux. Et on y va. Donc oui, je disais que j'ai augmenté ma limitation. Hein. Bonsaï, voilà. C'est parfait. Mais c'est la caserne d'Alibaba ici. J'ai augmenté ma limitation. C'est pas pour ça que je vais faire des vidéos de 30-40 minutes. Il y en a qui font. Enfin, je trouve ça un peu long. Il y en a qui font ça très bien d'ailleurs, hein, et qui arrivent peut-être à le faire, mais moi, pour moi, j'aime bien des vidéos de 20, 25 minutes. Je trouve que c'est sympa. Déjà là, faut que je fasse attention au temps déjà, mais bon. Je trouve que ça c'est correct, quoi. Bon, on va mettre ça, hein. Je suis content. Après cet épisode, on pourra y aller. Je pourrais faire mon armure tranquillos. Hein. On va stopper ça d'ailleurs. On va aller voir. Déjà là, pourquoi c'est ouvert? Y aura-t-il quelque chose ici? Je veux savoir. Non, rien de spécial. Bien, les amis, c'est ici que je vais vous laisser, hein. Faire un petit chemin tranquille, hein. C'est assez profond ici, hein. Là-bas. Bon, voilà, c'est ici que je vais. On va se laisser tranquillos, hein. Voilà, on va préparer déjà le terrain pour demain. Tranquille. Voilà, pour récupérer la reine. Hop. Et le charbon. On va se mettre des petites loupiottes. Et je vous retrouve ici demain.
Regardez là, on va essayer de trouver un autre passage. Je suis certain que la mine doit continuer quelque part. Hein. Donc je ferai ça tranquillement. Donc je me mets ici et je vous reprendrai ici. Bah, plutôt même pas. Je suis simplement tranquillement remonter à mon aise. Ah, bon voilà. Ben voilà, encore de la raid, regardez-moi ça. Je suis certain qu'il y a un passage là. Hein. Certain. Qu'il y a quelque chose d'autre ici dans tout ce bordel. Hein. Enfin, il y a de la redstone ici. On va se faire un petit... Voilà, pour dire ici, raid. Et on y va. On retourne. On va se faire un petit chemin tranquillos. Hein, pour remonter plus près. Voilà. On met ça là-dedans. Voilà, et moi je vous dis à demain les amis. Content de vous avoir revu, ça c'est certain, ça faisait un petit temps, mais je suis vraiment content. Alors cliquez au bon endroit, appréciez l'épisode, n'oubliez pas de mettre des petits commentaires et des j'aime pour motiver les personnes, les youtubeurs. Hein. N'oubliez pas qu'on est dans la place, hein. Moi, Rorschach, livre chute, hein. Toujours prêt à casser du bloc. Hein. Toujours prêt à faire vibrer les blocs. Allez, salut les gars. Prenez soin de vous.